On y va? Oui. Déjà dans la position de départ, on est déjà, le corps il est déjà en état de danse. Nous sommes à l'ICOM, la première école de comédie musicale fondée à Paris par Pierre-Yves Duchesne, le coach vocal de François Liebner. Ici, on apprend à chanter, à danser et à jouer. 250 artistes professionnels sont formés chaque année. Un milieu 100% artistique où François se plaît, au point d'avoir envie d'investir dans l'école. Il devient associé en achetant 34% des parts. Bonjour tout le monde. Ça va ? Ça va ? Et toi ? Bah comme d'habitude, hein, TGV et compagnie. Moi je considère que ICOM est une start-up. Eh ben, les financiers ne sont pas toujours accordants pour des enveloppes financières. Donc je me suis dit, bon ben, ma passion c'est le chant et je vais plus loin. Je m'associe avec Pierre-Yves Duchesne dans cette aventure. Et devoir former plus de 250 élèves chaque année qui sortent de cette école, pour moi, c'est ma satisfaction. À l'école, les hommes d'affaires qui passent n'ont rien à voir avec le secteur des transports. Ici, on croise des producteurs comme Xavier Garneau, à droite. 20 ans de grands spectacles derrière lui et originaire de Niort, cela crée des liens. Il propose alors à François de réaliser son rêve, faire la première partie d'un spectacle sur la scène de l'Olympia. Alors, vous êtes sûr de l'avoir, ça? Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai regardé les vidéos attentivement avant de, quand même, de l'Olympia, c'est une scène mythique, hein. Donc il fallait pas non plus se fourvoyer, quoi. Et donc non, il fait l'affaire. Je pense que ce sera une très bonne première partie. Donc vous avez totale confiance, en tout cas, sur ce. Ah, on serait pas là en train de parler si j'avais pas confiance. Quand je joue. Toi, t'arrives et il faut que tu... La suite se passe près de Poitiers, avec un pianiste qui va l'accompagner sur scène. Il s'appelle David Henry, il est musicien et répétiteur. Moi, je suis à ton service, tu vois, et il faut qu'effectivement que tu me le fasses comprendre. Tout seul sur terre, je ne peux vivre en solitaire. Sans amour. Je suis avec un professionnel si et moi j'aime m'entourer de professionnels comme sur le, comme dans mon métier. Travailler qui est plus grand et le fait qu'il accepte de travailler avec moi, qui suis un apprenti, ça me bouleverse en fait. Plus tu es à l'aise avec ce que tu as appris, plus tu laisses ce que tu as appris de côté. Ça veut pas dire que tu t'en sers pas, ça veut dire que c'est intégré. C'est au service, c'est mon service. Ta liberté elle est énorme. C'est-à-dire que moi j'arrive, je fais un truc qui est un peu pas comme d'habitude, genre une note, tiens, sympa, super. Love me tender, et toi, tu vas dire, yes, love me true. Tiens, je vais te dire, ah, super celle-ci. Et paf, et ça devient question-réponse. C'est pas un usurpateur. Et ça, c'est, on pourrait croire, chef d'entreprise et tout, pas du tout. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Il a une vraie faculté d'engagement. Et cette faculté d'engagement fait que tous les lundis, il est là à 17h, alors que moi j'ai deux minutes de retard. Lui, il est là à 17h. Et qu'il a beau être à Dijon 3 heures avant, il se débrouille. Il est engagé. Et c'est pas un dogme, c'est une passion. Il a ça dans le sang, dans les tripes. C'est un vrai engagement. Et c'est pour ça que je pense que c'est très positif, que ça va donner quelque chose. Ça va donner une histoire qu'on ne sait pas vraiment encore décrire aujourd'hui, mais ça ne peut pas ne rien donner. Au bord de la mer qui scintille. La date du concert approche. François et David doivent encore beaucoup répéter avant le grand soir. Est-ce que ça sera le début d'un rêve, le début d'un autre rêve, ou la fin de mon parcours? Mais je pense que j'ai trop goûté pour arrêter de chanter après ça. Une voix jaillit de son âme, et tout son cœur il fait chanter.